C'est en présence du directeur de la diplomatie publique de l'ambassade des États-Unis au Gabon, des formateurs et de plusieurs invités que le programme de formation des enseignants et éducateurs d'Estima, sciences, technologies, engineering, mathématiques et arts, a été officiellement lancé ce mardi 26 par le fondateur de l'ONG Gab Trotter, ancien alumni du programme Washington Fellowship. Il a été question au cours de la dite conférence de présenter le programme et les outils qui seront utilisés. Donc une fois téléchargé, toutes les personnes qui vont participer à la formation et même celles qui n'ont pas pu être sélectionnées pour participer à la formation, elles pourront télécharger l'application gratuitement sur leur téléphone, Android juste pour l'instant, et participer, suivre la formation depuis leur téléphone, lire tous les cours qu'on a, que ce soit en français ou en anglais, donc ça peut être utilisé dans n'importe quel pays. Le directeur de la diplomatie publique de l'ambassade américaine a exprimé la fierté de la mission et sa volonté de toujours être un partenaire stratégique pour le Gabon. L'ambassade des États-Unis est fière de soutenir cette initiative éducative. Et dans le cadre de soutenir nos alumni, nos anciens participants des programmes d'échange sponsorisés par le gouvernement et l'ambassade des États-Unis. Et c'est une priorité pour nous de soutenir le domaine de l'éducation pour promouvoir et former et soutenir la jeunesse gabonaise. Il est à noter que les participants à ce programme recevront un certificat reconnu par l'ambassade des États-Unis et qui serait d'un atout capital dans les carrières professionnelles. Gab Trotter est une organisation à but non lucratif créée en 2018 dans le but de promouvoir une utilisation responsable de la technologie et des médias. Elle a été créée en réponse à un besoin de formation d'éducateurs, d'animateurs et d'enseignants disposant de ressources limitées pour se former à l'utilisation des nouveaux médias dans leur mission d'enseignement quotidien.